the spring. Un peu de fraîcheur avec la fontaine. Les montagnes sont vraiment arides dans le coin. Des étoiles, des stars, mais qui ne disent pas grand-chose pour moi. Notre bus, qui est quand même une curiosité, parce qu'il faut bien l'avouer, il a tout de même des allures de corbillard. Désertique. Des cailloux, encore des cailloux. Quelle chaleur écrasante. Le parc national de Joshua Tree, situé dans le sud-est de la Californie, abrite deux écosystèmes de déserts distincts. Le désert du Colorado, aux altitudes basses, et le désert des Mojave, aux élévations plus hautes. Ce dernier est l'habitat du Joshua Tree, une espèce que l'on rencontre uniquement au sud-ouest des États-Unis. Et nous empruntons la mythique route 66. Elle traverse 3 fuseaux horaires et 8 états d'est en ouest. Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona et Californie. Thank you.
Le Grand Canyon est situé dans le nord de l'État de l'Arizona. Il s'étend sur 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead. Sa profondeur moyenne est de 1300 mètres. Ce site est remarquable, bien sûr, pour ses points de vue et les couches géologiques qui apparaissent sur les versants du canyon. Le fleuve Colorado coule en contrebas. Le Grand Canyon. Très impressionnant. Les étals d'artisanat. Oui, ils vendent des bijoux indiens. Monument Valley est un site naturel situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, proche de Four Corners. Il appartient au plateau du Colorado. Le paysage est typique des structures inclinales. Le site fait partie d'une réserve des Navajos. Le lac Powell, formé par la construction du barrage de Glen Canyon sur le Colorado, cet immense lac artificiel peut atteindre 300 km de long. On n'y compte pas moins de 96 canyons. Le lac Powell a commencé à se remplir en mars 1963 et 17 ans plus tard, en 1980, il était plein. Mais depuis la fin de l'année 2000, la région souffre d'une grande sécheresse et le lac est actuellement à son niveau le plus bas. Une marque blanche sur toutes les parois de roche témoigne de la baisse du niveau de l'eau. Les habitants de la région l'appellent la marque de la baignoire.
le parc national de Bryce Canyon, situé dans le sud de l'Utah. Le parc est renommé pour ses formations géologiques composées de roches colorées aux formes coniques et âgées de dizaines de millions d'années. Dans le parc, l'érosion du plateau de Pawsugunt entraîne la formation de différentes structures géologiques appelées murailles, arches et oudos, cheminées de fées. Las Vegas est la plus grande ville de l'État du Nevada. Elle est située au milieu du désert des Mojave, dans le comté de Clark. Les Mormons fondèrent la ville en 1855. Grâce aux lois libérales en matière de jeu de l'État du Nevada, la ville surnommée Sin City, la ville du péché, a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses revues. Las Vegas est également le temple du shopping. It's hard to keep my mind in check. Well, I won't travel with you, but I'm such a wreck. And I know we sold the show. Well, it wears me out knowing you are there. Cause it took me a long time to form a pair with you. Yeah, and with the things you do. It's okay, understood. Say no more, I'm all for good. It's okay, understood. Say no more, I'm all for good. You say nothing, well I say no. Well you treat me like some plain John Doe. Sessions every day.